Bon, ben j'ai fait une bêtise, je me suis trompé de bouton. Donc en fait, ça c'est la suite de la précédente vidéo sur les bouquins, hein. Et donc vous verrez une deuxième petite vidéo, soit dans la journée, je mettrai d'affilée. Je ne sais pas monter, je ne sais pas coller. J'ai pas envie. Me casser la tête, j'ai assez de soucis comme ça. Donc je vous la mettrai en partie 2, hein. Je voulais parler d'autre chose, deux choses d'ailleurs. Deuxième, j'ai déjà oublié. Oui, la première, c'est... Depuis quelques jours, je me sens très mal dans ma peau. Je ne me supporte plus dans la glace. Là, c'est une horreur de me regarder. Je m'aime plus, ça y est. J'ai l'impression d'avoir énormément grossi. Sachez que je ne me pèse pas, vous le savez. Donc, je ne m'aime pas. Là, ça y est, c'est parti, ça refait. Alors, je vais essayer de faire attention à ce que je mange. C'est vrai que là, j'ai mangé un peu n'importe quoi. Pas n'importe quoi, mais des glaces très souvent. Des glaces, des cornets, des trucs à la maison, hein, oui. Et pourtant j'ai mangé beaucoup de fruits et de légumes, mais ça n'a rien. J'ai du sucre que je mange jamais. Donc je suis sûre que j'ai grossi. Je le sens, je le sais. Donc je m'aime pas. Voilà. Donc ça, peut-être qu'on en reparlera. Peut-être. Ça me saoule de parler de ce sujet. Parce que je ne veux pas m'engager vis-à-vis de vous en disant je vais faire attention au machin. Parce qu'avec moi, ça ne marche pas, ça. Pourtant, on dit s'engager auprès des gens, ça marche très bien. Excusez-moi. Moi, avec moi, ça marche pas. J'ai déjà essayé, ça marche pas. Donc, bref, c'est pour vous dire qu'en ce moment, ça va pas. Je suis pas mal. Bon, bref, je vais pas vous montrer. Non, j'aime pas, j'aime pas, je m'aime pas. Je m'aime pas, voilà. Il y avait une deuxième chose dont je voulais vous parler que je viens d'oublier. C'est emmerdant, hein. Ah oui, quelqu'un m'a demandé de faire une vidéo sur mes bijoux. Parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup. Alors cette vidéo, je la ferai, mais quand j'aurai tout rangé. Parce que soit mon fils m'a trouvé, quand il a déménagé dans ses armoires, il a trouvé deux porte-bijoux de sa femme, l'ex-femme. Donc il me les a apportés, alors j'ai mis le truc dessus. Mais comme j'ai pas d'espace, les trucs sont les uns contre les autres, donc c'est pas plus pratique. Je peux pas vous le montrer comme ça, il y en a trop, c'est le bordel. Donc quand j'aurai changé mon organisation, je vais essayer de faire l'étagère du dessus qu'avec les bijoux. Ça, ils seront bien visibles. Ouais, on fera ça ensemble. Ben non, pas ensemble. Voilà. Oh là là. C'est ça que je voulais dire. Ouais, et puis alors ça aussi. Bon, j'arrête de raconter ma vie. Ah tiens, j'ai fait un gâteau au yaourt ce matin. Ouais, il me reste un yaourt à l'abricot, j'avais pas envie de manger. Je me suis dit, je vais faire un gâteau au yaourt. Donc je fais un gâteau. Bon, il a pas l'air mal comme ça de gueule. Bon, il est un peu plat. Pourquoi? Mais c'est pas grave, ça se penchera. J'appellerai mon fils, il vient d'en chercher un morceau. Bon, sur ce, voilà, ça va être une vidéo qui va durer 3 minutes, c'est très intelligent. Je sais plus, je voulais dire autre chose, je ne sais plus. Ça y est, j'ai chaud. Je me suis perdue dans mon énervement d'avoir coupé la vidéo comme une greluche que je suis. Voilà. Bon, sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à demain. Elle est tout petite, hein? Mais oui, mais je sais pas quoi vous raconter d'autre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Non, les livres c'est fait, maquillage y a rien, fringues y a rien, je regarde tout le mois, y a rien à dire. Bon, ben sur ce, je vous laisse, je vous embrasse, je vous aime. On va pas faire de remplissage pour du remplissage. C'est con, je me fais une histoire drôle à vous raconter. On est là, pardon, je réfléchis, une histoire drôle. Qu'est-ce que l'autre fois j'ai entendu? Un mec qui m'avait fait marrer. Attendez, faut que je la dise correctement. Où trouve-t-on un polyhandicapé? Là où on l'a laissé la dernière fois. Ouais, c'est nul, mais moi j'adore. Allez, salut, à demain.